18-year-old Eloi Rolland came to Aotearoa in September 2019 to learn English. He had a ticket to fly back to France on the 20th of March 2020, but disappeared after an early morning trip to Piha Beach, where he'd promised to collect some sand as a souvenir for his mum. He hasn't been seen since, and because our borders closed due to the growing COVID-19 pandemic just days after he disappeared, his parents have only just been allowed into the country to join the search for their son more than 2 years later. His mother, Catherine, and father, Thierry, are here with us in the studio in Auckland this morning, along with the translator, Michelle. Michelle, thank you so much for joining us. And to Catherine and Thierry, our hearts go out to you, and we're so grateful for you being here this morning. Alors, nous sommes heureux que vous soyez ici. Bah, écoutez, nous aussi, nous sommes vraiment ravis d'être invités sur votre plateau. We are really happy to be invited on your parce que, spot here. Parce qu'en fait, nous sommes ici pour lancer à nouveau l'appel à témoins concernant la disparition de notre fils, Eloi Rolland. To call for all witnesses to come forward. En Nouvelle-Zélande. He came to New Zealand. Pour perfectionner son anglais. To perfect his English. Pour découvrir votre beau pays. To discover your beautiful country, New Zealand. Et aussi pour devenir aussi à la fois gagner en indépendance, en autonomie. Et en fait, il aime la nature. Independent. Donc il était, he loved nature. Voilà. Et donc il est venu avec un visa étudiant. So he came with a visa for student, visa. Pour 9 mois. For 9 months. What have police told you about what they know? Qu'est-ce que la police vous a dit à propos so far. De ce qu'ils savent jusqu'à présent. Alors, disons que les hypothèses retenues par la police, notamment à remercier pour toutes les enquêtes qui ont été réalisées we'd like to thank the police pendant ces deux années. For all the research they've done for 2 years. Donc nous avons été constamment en relation avec la police depuis la France. We've been in constant contact with the police from France. Et concernant la population, on a senti. And with the population here, we felt. Nous avons été très émus par tout l'élan de solidarité. We were moved by the solidarity. Que vous nous avez exprimé. That you have expressed to us. On remercie toutes les recherches qui ont été faites par la police, par les médias aussi. All the searches that have been done by the police and the media and the people. Par Sylvia Tokara aussi, par toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé pour le retrouver. Thanking all the people from far and near who have on a senti que la population était avec nous. We felt that the population was with us. Et on veut que ça continue. And we'd like it to on veut que les recherches se poursuivent. Continue and continue searching. Et on veut que la police ne ferme pas les enquêtes parce que les enquêtes sont we don't want the police to close the search. Voilà. So what would you like help with? Is there something that people can do to help? La population pourrait faire pour vous aider. Nous voulons que tout le monde garde toujours un œil bienveillant et que si would like people to keep an eye out. Pouvait nous donner un indice. And if anybody can give a sign of him. Qu'il est en bonne santé, qu'il est heureux. Ça nous serions happy. Just something like that, and would be happy. Oui. Au sujet des enquêtes, il a été retenu deux hypothèses principales. There were two hypotheses la thèse où il aurait pu avoir un trouble mental et s'être égaré. One would be that he's had a mental breakdown lost. Mais rien du tout ne le confirme. But nothing confirms that idea. L'accident. C'est une autre hypothèse qui n'est pas du tout confirmée non plus. Accident is another idea. Et de fait, that's not confirmed. Nous souhaitons que les enquêtes se poursuivent et nous connaissons Eloi et toutes les personnes qu'on a rencontrées ces 10 derniers jours. So we'd like this converge search keep on going and all the people we met these vers last days. Eloi est un jeune en fait très ouvert, optimiste, ouvert aux autres.
say that Eloi is open to people, he's optimistic, he's calm. Voilà, puisqu'il a, il a, il a effectué, il faisait des petits travaux. He was doing small jobs, he was doing his classes, was at school. Donc, si vous voulez, on souhaite que les enquêtes se poursuivent. So we wish that the searches keep going. Nous avons besoin de quelque chose de factuel pour mieux orienter les recherches. We need some facts so we can go on with the search. It must be so tough not knowing anything. Et and so we wish you savoir. Both all the best. And if any of our viewers do have any information about Eloi Rolland and his disappearance, of course the police would love to hear from you, as would his parents Thierry and Catherine. Thank you so much for joining us. Juste, en lisant l'écran, vous voyez les contacts sur lesquels Eloi peut être. They are the contacts, the contact numbers. Contact donc, numbers are contact, on there. Yes. So people can contact call. Eloi@gmail.com. And we'll put all the details on our Facebook page as well. Catherine and Thierry, from the bottom of our hearts, thank you for joining us. And we really hope that there's some information out there soon. Merci for you. Eloi, si tu es quelque part, si tu nous entends, sache qu'on t'aime du plus profond de notre cœur. On t'aime. Pour nous, tu es toujours là. Il n'y a pas de problème. On t'aime. On t'aime. If you know anything, Eloi, please call us. We love you. Thank you so much for joining us. Thank you.